Cette journée du 8 octobre 2022 est une journée retenue dans le calendrier de la division interaméricaine pour être la journée de reconnaissance des familles pastorales. Et là, en tant que secrétaire de l'association pastorale de l'Union des Antilles et Guyane françaises, je voudrais adresser ce court message à l'ensemble des familles pastorales pour leur dire combien nous apprécions leur ministère. En effet, s'il y a une famille doit être reconnu pour son ministère dans l'Église, c'est bien la famille pastorale. Et quand je dis famille pastorale, je ne me focalise pas sur celui ou celle qui remplit la fonction pastorale, mais sur l'ensemble de la famille, père, mère, enfant, lorsque le Seigneur nous en a accordé. Notre conjoint est plus qu'un accompagnant dans le ministère, mais un appui sur lequel nous pouvons nous reposer dans les moments difficiles comme dans les moments de joie vécus durant le ministère. Et nos enfants, à qui il est réclamé bien souvent d'être plus que de simples enfants, mais des modèles pour les autres, nos enfants jouent aussi un rôle non négligeable dans notre ministère. Ils vivent et supportent avec nous les creux et les sommets de notre ministère. Certaines de nos familles ont traversé des moments très difficiles durant cette année 2022 et d'autres s'apprêtent à en vivre. Je veux que vous sachiez que nous ferons tout pour être à vos côtés par nos prières et par toute autre action qui nous seront permises et possibles d'accomplir en votre faveur. Ce jour de reconnaissance est pour vous tous, membres de la famille pastorale, afin de vous encourager à poursuivre votre ministère sans rien lâcher auprès des familles de l'Église. Je voudrais aussi vous dire combien votre ministère est important et apprécié à nos yeux et à ceux de notre Seigneur, à tous Jésus-Christ. Vos actions, votre présence, votre engagement auprès des familles, auprès de l'Église, sont d'une importance capitale, notamment en ces temps de crise où la société tangue de tous bords et cherche un point d'appui, une direction. Ce point d'appui, cette direction, vous le leur apportez par votre ministère, en les raccrochant au Seigneur de l'histoire et de nos vies. Puisse donc notre Dieu vous bénir abondamment en ce jour et après. Puisse ses bontés continuer à vous inonder tout au long de votre ministère, le rendre encore plus fructueux qu'il ne l'a jamais été, et que sa paix vous accompagne. Je voudrais vous laisser en terminant ce passage du prophète Ésaïe, qui dit dans Ésaïe 26, versets 3 à 4, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Maranatha.